Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste. Aujourd'hui, encore un morceau de John Williams, ce sera donc la liste de Schindler. C'est une pièce magnifique, excessivement demandée donc par les élèves qui aiment les musiques de films. C'est effectivement un morceau très joli, très intéressant au niveau de la main droite, quelques petites choses à la main gauche, mais c'est vraiment très très léger, on a quelques accords. Mais en tout cas, pianistiquement, c'est intéressant. Je vais donc vous donner quelques petites explications, mais là ça va être surtout en fait quelques doigtés et la main droite que je vais vous montrer. Mais sinon, voilà, c'est un morceau qui paye bien, c'est-à-dire qu'on va pas avoir trop de difficultés, on va pas avoir voilà trop de difficultés pour en venir à bout. Et c'est toujours un peu frustrant quand on bosse comme un fou pour un résultat d'un morceau qui ne nous plaît que très moyennement. Là, normalement, vous pouvez y aller. Alors, on commence avec, bien entendu, la main droite. Très grand écart avec le Mi, Do, Ré, Do. Donc pour ceux qui ont des petites mains, essayez de garder toujours ce Do qui est rejoué trois fois quand même. Donc ce Do est vraiment un pivot. Ensuite ça repart. Là, celui-là est pas mal. Et pourtant, donc les doigtés sont bien proposés. 1, 2, 4. 1, 5. Quatrième. Là déjà, vous avez bien travaillé si ça, ça passe. Je vous le fais à 100 la croche. 3, 4. J'ouvre la main, deuxième, quatrième, pouce, cinquième, quatrième, on continue, quatrième sur le sol dièse, j'ouvre la main, ré, fa, ré, fa, et ici, ça m'étonne que ce soit pas écrit, mais je pour ne pas faire de coupure, troisième sur le Mi, quatrième sur le Si, et du coup, 1-3 sur Mi La. Ensuite, Ré Si, je garde bien le Ré avec le pouce, puisque je vais y revenir, juste je décale le Si vers le Do. Alors pour les tierces, là évidemment, il n'y a pas 36 solutions. Trois, cinq, deux, quatre, un, trois, deux, quatre, et le 3. D'ailleurs, il y a une, pour ceux qui veulent travailler les tierces, il y a, je crois que c'est là, je ne sais plus laquelle, une des études de Burgmüller, c'est quatrième ou sixième, je ne sais plus, où il fait vraiment travailler les tierces. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a une étude, un cours sur une étude de Burgmüller avec la partition, le cours, la totale. On passe après la double, donc évidemment là à la main gauche. Essayez de mettre, voilà, quatrième, c'est ce qu'il propose, c'est très bien. Comme ça, on est placé pour la suite. Rien de difficile, je le jouerai à 100 à la croche pour que vous puissiez voir un petit peu les rythmes. Quatrième ici. Donc 100 à la croche pour ces quatre mesures. 3, 4. Et voilà, vous avez déjà terminé, puisque à partir de la mesure 15, on retrouve les premières difficultés. Ah oui, je commence avec le 4, je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Pour avoir le 5,
troisième par-dessus. Je crois que je l'avais oublié aussi. Désolé. Je soulève, quatrième. Troisième. Quatrième par-dessus. Je garde mon pouce ici. Troisième, deuxième. Voilà, je pourrais, alors si vous voulez, je termine avec la main gauche. Je commence avec 4-1, ensuite, rien de difficile, troisième par-dessus, donc comme je l'ai dit, 2-1. Et c'est une suite de, entre guillemets, c'est une suite de septième, donc. Il suffit de, une fois que vous avez trouvé une recette qui vous va, bah, il suffit de la réappliquer puisqu'on on entend bien la suite de septième. Quand même un bon nombre de soupes ont été faites là-dessus. Donc voilà, donc vous savez, s'il y a quand même des choses qui reviennent, qui se répètent. Donc comme je le dis, une fois que vous avez trouvé les doigtés qui vous conviennent, eh bien, ça ira tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai été un peu rapide sur quelque chose, mais là, disons que c'est vraiment la main droite où il faut faire une grosse préparation. Après, pour la main gauche, ça ne devrait pas poser de problème. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mes précédentes vidéos concernant les musiques de films. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines qui vont sortir. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.